Du côté de chez Sam, j'ai vécu. Bienvenue du côté de chez Sam. Voici le récit d'une jeune fille qui recherche son père. Une histoire qui serait somme toute banale, sans le talent de Olivier et Patrick Poivre d'Arvor dans « J'ai tant rêvé de toi ». Yuki Roussel apprend de la bouche de sa mère, avant qu'elle ne meure d'un cancer foudroyant, qui est son père, ainsi que les circonstances de leur éphémère histoire d'amour. Après le décès de sa mère, Yuki part sur les traces de son père, Pavel Kampa, un éminent poète tchèque qui s'apprête à recevoir le prix Nobel. Il faut savoir que ce livre est dédié à Solène, la fille de Patrick Poivre d'Arvor, décédée en 2005. L'auteur avait eu l'idée de cette histoire alors qu'il visitait Prague avec sa fille en 2003. Il l'a ensuite écrite avec son frère en situant l'action en 2005 afin de donner une autre fin à la vie de Solène. Il est tout d'abord difficile d'entrer dans ce roman car on ne sait que peu de choses. Il faut être patient. Le style est lui aussi très spécial. Puis, petit à petit, on se laisse happer par la narration et on n'en décroche plus avant le dénouement. Les éléments qui confèrent richesse et originalité à ce récit reposent sur les événements historiques, les poésies de Robert Desnos et le tatouage d'un ours et d'une comète. On trouve également de longues réflexions sur l'anorexie. Un roman dense et très prenant.